त्याच्यासला उत्तेश वैपेशे Le péché, c'est quoi? C'est comme ça. Et quand tu le fais, comme je vous l'ai expliqué, ce poisson d'avril, c'est quoi? C'est les inspirations. C'est les solutions. Solution, c'est les inspirations. Il faut les déchiffrer. Il faut faire quoi? Il faut les déchiffrer. Ce n'est pas toi qui vas déchiffrer, mais c'est ton esprit qui va le faire. Et pour le faire, il suffit pour toi de faire quoi? De marcher. J'ai bien expliqué tout à l'heure que la marche, c'est quoi? C'est une réflexion. Et la réflexion de quoi? La réflexion de l'esprit. Comme ça. Et la réflexion c'est quoi? La réflexion c'est manger l'inspiration. Celui qui réfléchit, il est en train de manger l'inspiration. Et cette inspiration là, c'est ça qui est le poisson d'avril. Donc pour manger ce poisson d'avril là, qui est l'inspiration, il faut faire quoi? Il faut réfléchir. Et pour réfléchir là, il faut marcher. Il faut marcher. Comme ça. Et cette marche là, c'est la réflexion spirituelle. Et ça permet de quoi? Ce que toi-même tu ne peux pas faire, l'esprit te le fait ça à ta place. Parce que comme je l'ai dit, toi-même tu es quoi? Tu es dimensionné. Toi-même est dimensionné. Il n'est pas partout ailleurs. Mais l'esprit n'est pas dimensionné. L'esprit voit ce que tu ne vois pas. Toi-même, toi seul, tu ne peux pas, ton cerveau, avec ton cerveau là, avec ton cerveau, tu ne peux pas tout faire. C'est impossible, tu ne peux pas tout faire. Donc, il faut toujours ajouter la réflexion de l'esprit. Et la réflexion de l'esprit, par exemple, la prière que les musulmans font là, c'est une réflexion de l'esprit. Une réflexion de l'esprit et elle n'est pas la seule réflexion de l'esprit. Une autre réflexion de l'esprit, c'est quoi? C'est la marche. Et quand tu marches là, tu fais quoi? Quand tu marches, tu manges ce poisson, ces inspirations là que tu te donnes. Et ainsi tu es quoi? Lui te permet, ça te permet de quoi? Ça te guide. Ça te guide sur le droit chemin. Ça te guide sur le droit chemin. Ça te guide sur. C'est la marche, non? Ça te guide sur le chemin. Tu ne vas pas dans les mauvais lieux. Par exemple, tu vas au marché, tu veux payer une marchandise au marché. Marché, la dernière demande au marché. Et tu vas payer chez le mauvais vendeur par exemple, et à la maison quand tu reviens tu regrettes. Maintenant qu'est-ce qui va te guider vers quoi? Vers le bon vendeur, celui qui a le bon attirant que tu veux acheter, celui qui n'a pas les camelotes, le paillot. Qu'est-ce qui va te guider bien là? C'est quoi? C'est la réflexion de ton esprit. C'est lui qui va te guider. Tu vas guider vers quoi? Vers le droit chemin. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, la réflexion de l'esprit, c'est quoi? C'est une réflexion de l'esprit. Il a la prière. La prière n'est pas la seule réflexion de l'esprit. Il a aussi quoi? Il a aussi la marche. La marche pour pêcher les personnes de poisson qui sont là. Et comme je l'ai dit,
Pour que ces poissons navigent la question en face de votre pied là, pour qu'ils pour qu'ils ont une vie éternelle, il faut quoi? Il faut être diabétique de type 1. Sinon, ils vont vous servir juste pour quelques temps et puis ils vont mourir. Donc ici, poisson d'avril, il dit quoi? Son cadavre. Son cadavre comme moi. Donc, tout ceci à partir de elle, là, avec le dard là.